Pascal Massa, je suis le responsable du recrutement du Sporting Club de Bastia. Arrivé au club depuis le mois de septembre, puis ancien responsable du recrutement dans un autre club de Ligue 2. Quel est votre objectif aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est de trouver les talents qui vont permettre d'alimenter en fait notre futur centre de formation. Alors nous avons des critères, on travaille avec une application qui nous permet de catégoriser en fait les postes. Et nous, on doit trouver des postes qui correspondent avec des compétences particulières sur chaque poste. En règle générale, combien de joueurs sont détectés ? Alors on a fait trois détections en fait sur le continent. Une dans le 06, une à Carqueiran et une dans la région lyonnaise. Et sur les trois détections, on avait à peu près 100 gamins, c'est des brassages, qu'on appelle des brassages. On avait 100 joueurs et sur les 100 joueurs, on va retirer une dizaine de postes qui nous intéressent pour l'année prochaine. Jusqu'à présent, vous êtes satisfait de ce partenariat ? Ouais, ben on l'a alimenté, nous, avec Bruno. On a essayé de mettre un petit peu de cohérence, notamment avec la détection. Ça permet de mettre du lien entre les deux clubs. Plus après, il y a des allers-retours qui se font entre le club et Bastia. Est-ce que vous êtes satisfait pour le moment de cette journée ? Très satisfait, beau soleil. Puis en plus, non, après sur le contenu que l'on a vu sur les deux premiers matchs, enfin les deux premières catégories, les 2008 et 2007, on a vu qu'il y avait quand même du potentiel sur les joueurs qu'on en a détectés. Alors Bruno, éducateur U14 à l'US Carqueiran Lacro, est en charge du partenariat avec le Sporting Club de Bastia. Justement, par rapport à ce partenariat, pourquoi avez-vous décidé de le mettre en place ? Dans un premier temps, d'amener une plus-value supplémentaire à notre club. On a fait un diagnostic et très rapidement on s'est aperçu qu'il nous manquait certaines choses pour pallier à nos manques, parce que tout club a forcément un manque. Et l'idée de se rapprocher, on va dire, d'une structure professionnelle pouvait justement nous amener à autre chose. Ce partenariat, on a choisi le Sporting Club de Bastia parce que déjà c'est un club qui est chargé d'histoire. Il y a des valeurs qui nous correspondent et des valeurs surtout qu'on a envie de transmettre chez nous à nos jeunes. Des valeurs qui se perdent malheureusement sur le football du continent, et en Corse on est arrivé à les conserver. Jusqu'à présent, vous êtes plutôt satisfait de ce partenariat, il se déroule assez bien. Alors oui, parce que c'est pas un partenariat uniquement un partenariat d'annonce ou un partenariat sur papier. À la base, les rapports humains sont vraiment au centre de la consolidation de ce qui a été construit. Les échanges, ils sont constants. C'est un partenariat qui vit. C'est pas un simple partenariat, coup d'annonce, pour faire bien. Non, il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Et justement, ces jeunes joueurs, comment ils sont sélectionnés pour participer à cette journée ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a quand même pas mal de joueurs qui sont au quotidien observés, puisque au fil des matchs, lorsqu'il y a des profils intéressants qui ressortent, le mot passe quand même très vite. Nous, on a aussi cette mission aussi au sein de l'US Carqueiran Lacro d'observation, hein, en parallèle de ce qu'on fait habituellement. Mais si toutefois on a un profil qu'on arrive à observer et à déceler, on l'oriente prioritairement sur le Sporting.